En effet, suivant une visite au Pralin récemment pour voir progrès de l'ouvrage construction un nouveau terminal et runway d'un projet nouveau airport Pralin, qui vice-président James Michel s'est dit avec Rupees and Cents que sa projet y a une clé dans la stratégie pays pour élever standard et niveau l'industrie tourisme, Cécile. Vice-président Michel s'est fait sa visite ensemble avec ben les autres partenaires concernés pour voir pour lui-même progrès le projet nouveau airport Pralin et aussi voir qui bonne contrainte l'ouvrage construction peut rencontrer. Projet nouveau airport Pralin qui a un investissement plus que 30 millions de roupies, il y a que la construction un nouveau terminal climatisé et beaucoup plus grand avec toute bonne facilité et reconstruction un runway beaucoup plus grand et plus large pour capable supporter sa trafic intense de tourisme qui peut continuellement augmenter aux îles Pralin. Vous devez regarder ça, l'investissement d'un nouveau terminal et aussi runway Pralin. Comment est partie stratégie globale gouvernement pour hausse standard et niveau l'industrie touriste dans ces îles. Par ailleurs, on est l'industrie touriste, mais nous l'industrie principale, c'est l'industrie pour le moment qui amène plus de devises étrangères. Et mon croyant important que gouvernement pareil, il commence à faire pour prendre les mesures nécessaires pour capable hausse niveau ça à l'industrie. Et pour hausse niveau de l'industrie, on a besoin premièrement, non seulement qui nous connaissent celle qui y a une destination haut niveau, si vous voulez, Dimon dit, il y a une destination 5 stars, mais il faudrait qu'ils nous fassent son bon infrastructure et son bon service aussi, du même niveau, pour nous bâtir sa qualité touriste qui en a la raison pour dépenser, pour venir, pour capable passer de vacances ici, et augmente la quantité de visites étrangères qui nous gagnent à travers sa industrie. Et pour nous faire ça, nous avons un secteur privé qui peut investir une quantité dans un top-class hôtel. Et Pralin, on a le Myria et bientôt Alphonse aussi pour ouvrir son la porte. Et Bonnel en est prochaine pour une construction nouveau l'hôtel Paul-Honnet. Qui pourra le commencer et ça poursuivre après par les autres encore qui dans pipeline tels que l'hôtel d'intendance et nouveau l'hôtel Beauvallon. Donc quoi tout ça bonne l'hôtel haut niveau qui peut gagner sur l'investissement peut gagner faire là-dedans, il montre confiance secteur privé dans nos industries touristiques. Et naturellement, il devoir gouvernement pour investir dans l'infrastructure si vous voulez, qui normalement secteur privé pas investi là-dedans, pour capable emmener nos pays le même niveau qu'autre bonne infrastructure hôtel à présent peut gagner emmener. Et c'est pour sa raison que le gouvernement prend une décision pour construire un nouveau terminal et un nouveau runway Pralin. Vice-président Michel t'y dit que l'air où vise un tourisme haut niveau est essentiel qu'il fournit un confort et efficacité dans le service, surtout qu'on soit premier et dernier point de contact qui le importe. Il t'y dit que l'investissement plus qui 30 millions de roupies pour élever standard service et confort le Pralin, il vise aussi vers bon passager cécélois à cause avec développement rapide qui permet l'os asile, quand c'était du monde sorti le maé, il monte Pralin soit pour travail ou bien pour voir pour eux-mêmes qui peut arriver l'os asile à travers les vacances. Vice-président Michel s'est fait ressortir que le projet nouveau airport Pralin est lié étroitement avec sa haine qui peut commencer l'aéroport international Pointe-la-Rue. Et une fois l'ouvrage a complété le tout l'aider, ça va mettre ses à un niveau beaucoup plus haut. Monsieur vice-président, dernièrement, on fait une visite côté terminal Pralin pour voir un petit peu comment la construction peut dérouler. Quelle est l'impression après sa visite? Bon, mon quoi, travail parle très bien et nous croyons qu'il est bon l'année prochaine. Construction finie et nous sommes capables de mettre en opération. Runway aussi, en fini, en effet, pour finir avant terminal. Et après ça, l'année prochaine, il y a juste un technical block pour nous commencer la construction. Et mon quoi, ce qui est important avec ce terminal Pralin, c'est que nous nous concevons aller non seulement pour servir. Passager, il y a arrivé, sorti maé, il vient Pralin, mais sorti Pralin, il y a le maé. Mais nous pouvons commercialiser autant que possible pour en avoir plus de rendement économique, si vous voulez. Il prend une quantité de facilité dans sa terminal, côté secteur privé est capable de louer, est capable
faire certaines opérations business, économiques, de façon qui a fait sa terminal vienne aussi rentable que possible. Et je suis très satisfait avec le travail, mon corps parle très bien, et finalement, mon corps praler capable de gagner un terminal avec bonne facilité très haut niveau. Justification un nouveau terminal et un runway beaucoup plus grand et plus large, il est évident les temps nous regardent quoi qu'il peut arriver aux îles Pralin en ce qui concerne développement. Avec un hôtel 5 étoiles, les Muria Resort qui peut ouvrir sur la porte en décembre et un golf course qui pour fonctionne en zin l'année 2000 et qui promène une nouvelle qualité clientèle Cécile, aussi bien qu'il construction dès les autres grands hôtels Lix très bientôt et dans les autres projets de développement, Zil Pralin peut y voir comme The Booming Island of Seychelles. Et nous pour cause plus l'Osaboum en détail dans nos prochains programmes. Mais en ce qui concerne volume passager qui terminal actuel peut handle, recherche qui nous fait montrer que tous les ans, il y en a une augmentation plus que 5% de la quantité passager qui monte le Pralin. Et plus que 45% de touristes qui viennent pas aux vacances Seychelles, ils montent directement l'Osazil. On nous voit un peu plus en détail dans les statistiques de la quantité passager et la quantité vol vers Pralin depuis 1993 à 1998.